Bonjour à tous, je suis Émilie Cochot et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la pratique d'un nouveau mudra. Mudra Kundalini, mudra dit du serpent, activateur de la sexualité sacrée, de la sensualité. Alors, pour commencer, eh bien, je vous invite à connecter la posture du seau. Et puis, nous pratiquerons un ancrage avant de se connecter aux énergies du mudra. Avec la main gauche, vous allez pointer tout simplement l'index de sorte à pouvoir l'entourer de votre main droite et connecter l'index, le bout de l'index avec le pouce. Ici, dans cette posture, vous enveloppez donc l'index et vous connectez le bout du pouce droit avec la pulpe de l'index gauche. Voilà. Une fois que vous avez la posture de votre mudra, je vous invite à le ramener en regard du cœur, du plexus. Fermez les yeux. Vous êtes assis confortablement, la colonne bien alignée, sommet du crâne vers le ciel et le bassin bien ancré à la terre. Vous inspirez, expirez profondément. Et venez vous centrer dans votre cœur. Et de l'ancrage au cœur, descendez dans votre bassin sacré. Maintenant, je vous invite à plonger au cœur de la terre et vous y ancrer. Ressentez l'axe, votre verticalité, cœur de la terre, bassin, cœur sacré, subtil, en votre humanité. Venez vous concentrer et porter votre attention sur le mudra. Connexion au seau réalisée par vos doigts. Connexion à votre sexualité sacrée. Accueillez, laissez circuler les énergies qui vous traversent dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Activation de la sexualité sacrée par la réception des vibrations par vos sens activés.
invitation à l'ouverture des sens, captation, du beau, de l'agréable. Par les sons, les odeurs, le toucher. Votre regard intérieur votre regard extérieur. Libération et création d'espace. Œuvrant à la réception de toutes ces hautes vibrations qui s'imprègnent dans vos corps. Inspirez, expirez. Laissez circuler accueil du féminin, du masculin sacré, réharmonisé. Si le plan mental s'active et prend le dessus sur les sensations, et bien je vous invite à basculer votre attention à l'arrière du crâne sur votre glande pinéale. Et à redescendre dans votre cœur cristal. Connecté à votre bassin sacré et à vos sensations subtiles. Laissez-vous guider par ce qui vous traverse. Si vous avez besoin de sonoriser, de respirer plus amplement ou de changer de posture, soyez à votre parfaite écoute dans l'accueil des vibrations. Qui s'alchimise en vous, dans toutes vos cellules, dans toutes vos particules. Vous pouvez prolonger cette pratique selon votre ressenti et la réactiver à tout moment. Quand cela est juste pour vous, je vous invite à vous recentrer à nouveau dans votre cœur, aligné à votre bassin, au cœur de la terre. Connecté au
cœur de l'univers et à votre présence dans l'instant. Vous pouvez rouvrir les yeux, relâcher la posture, prendre un temps d'accueil de ce qui est et vibre en vous dans l'instant présent. Voilà pour ce nouveau voyage au cœur du soi. En présence ici des êtres de la nature, au domaine de Nab qui nous accueille. Je vous remercie pour vos divines présences. Vos partages de tous ces beaux voyages et ces co-créations dans la matière. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ici sur Bien-être en Action sur mon site pour vous accompagner au cœur du soi. À vibrer l'amour et la joie.